Moi, je suis Samuel Gallet, je suis écrivain et metteur en scène et je dirige le collectif Escandard qui crée le spectacle La Grande Conjuration en Pays d'Yépois. Philippe Cogny, je suis directeur de la scène nationale de DSM. Le collectif Escandard, c'est une compagnie qui est basée à Caen, qui existe depuis 2015. Pour cette aventure-là, il y a une équipe qui est à peu près composée de 4 écrivains, 2 comédiens, 1 photographe, 2 musiciens et une écrivaine musicienne. La Grande Conjuration, on est 3 semaines donc, dans le pays d'Yépois. Chaque semaine, on vient dans une nouvelle commune, on s'installe. Et l'idée assez simple, c'était qu'on s'est posé la question avec le collectif Escandard du rapport qu'on entretient aujourd'hui à l'avenir et à l'environnement. Pendant 2 jours et demi, en complicité avec DSN, on rencontre des habitants et des habitantes de tous les âges. On rencontre aussi des lieux, évidemment, des écosystèmes, des villages, des architectures. Ensuite, pendant 2 jours, le mercredi après-midi, le jeudi toute la journée, jusqu'au vendredi midi, on écrit des textes de théâtre, des poèmes, des retranscriptions de témoignages. Et puis de la musique également, parce qu'on est accompagné de musiciens. Et ensuite, on répète pendant 1 journée et demie et on joue à 17h la fameuse Conjuration, qui est une tentative comme ça, une photographie d'un lieu et du rapport que ce lieu entretient avec ces questions-là. Alors en fait, nous, on a plusieurs manières de rencontrer les gens. Ben, on a des entretiens individuels où on se rencontre, on pose des questions, on échange, des rendez-vous plus collectifs avec des groupes, si je puis dire. Et puis avec les enfants, on mène des ateliers d'écriture, de musique, de théâtre. C'est assez joyeux, au fond. Puis c'est aussi de présenter l'avenir autrement, c'est-à-dire c'est pas forcément leur raconter la catastrophe, c'est leur dire, ben voilà, quelles seraient, par exemple, les nouvelles espèces qui vont naître dans 100 ans, les nouvelles espèces animales, végétales, donc là, ils inventent aussi l'avenir. C'est un chapiteau qui est tout neuf, et je remercie d'ailleurs le collectif Escandard de s'en servir pour la première fois, puisque c'est une façon de l'utiliser pour DSN et pour les équipes artistiques de façon confortable. On va voyager ainsi dans tout le pays chaque année au mois de mai. On envisage de s'en servir aussi comme petit lieu de concert. Je pense qu'on investira aussi les quartiers. Il est important aussi qu'on puisse aller dans un quartier d'Yépois, par exemple, en dehors même de la ruralité. L'objectif était d'irriguer territorialement, culturellement et artistiquement le territoire encore davantage que nous le faisions auparavant. Donc il fallait une équipe qui ait cette capacité-là, avec plusieurs talents, comme l'a dit Samuel, qui se conjuguent, qui s'additionnent et qui arrivent à faire éclore un projet commun qui soit fort et qui soit aussi respectueux de ce qui se passe sur le territoire. On ne pouvait pas rêver meilleure équipe pour une première expérience avec un nouvel outil que l'équipe du collectif Escandard.